Dans ce calcul, je me rends compte qu'il y a une addition et une multiplication. J'applique donc les priorités opératoires qui me disent que je vais d'abord calculer les multiplications. La multiplication, c'est 2 sur 5 multiplié par moins 3 sur 36. Je recopie le début, que je ne vais pas encore calculer, et je fais effectuer la multiplication. La première chose, c'est de trouver le signe. Je vois ici, il y a un nombre négatif, donc cette fraction est négative, multipliée par celle-ci qui est positive, le résultat est donc négatif. Ensuite, j'effectue la multiplication. Donc, quand je multiplie deux fractions, j'obtiens une nouvelle fraction. 2 fois 35, et 35, c'est égal à 5 fois 7 sur 5 fois 6, et 6, c'est égal à 2 fois 3. Je simplifie donc la fraction par 5, puis par 2. J'obtiens donc un résultat égal à moins 7 sur 3. Je n'oublie surtout pas le symbole moins. Je réécris ce qu'il y avait devant, 2 sur 5 plus. Ici, je me rends compte qu'il y a deux symboles opératoires l'un à côté de l'autre. Je vais donc mettre des parenthèses, puisque je ne peux pas laisser l'un à côté de l'autre. Maintenant, je vais calculer une addition entre deux fractions. Ces deux fractions doivent donc être au même dénominateur. 5 n'est pas dans la table de 3. Donc, je suis obligé d'utiliser la méthode des multiples. Je vais transformer 2 sur 5 en une fraction, plus moins 7 sur 3 en une autre fraction. Je vais donc multiplier par 3 ici, et par 3 au numérateur. Et l'autre fraction, je vais multiplier par 5. Comme ça, les deux fractions seront sur 15. Alors, poursuivons le calcul. 2 fois 3, 6 sur 5 fois 3, 15, plus moins 7 fois 5, moins 35, sur 3 fois 5, 15. J'additionne deux fractions au même dénominateur, j'obtiens donc une fraction qui est au même dénominateur, c'est-à-dire sur 15, et j'additionne les numérateurs 6 plus moins 35. Je n'ai plus qu'à calculer 6 plus moins 35, ce qui fait moins 29 sur 15. Est-ce que je peux simplifier cette fraction? 15, c'est 3 fois 5. Est-ce que 29 est dans la table de 5? Non, puisqu'il ne se finit ni par 0 ni par 5. Est-ce que 29 est dans la table de 3? Non, puisque 2 plus 9 égale 11 et que 11 n'est pas dans la table de 3. Donc en fait, je ne peux pas simplifier cette fraction. Le résultat est terminé. Est-ce que j'ai oublié le signe? Non, il y a bien le signe moins devant, donc moins 29 sur 15.